Coucou tout le monde, je vous retrouve en cette soirée pour vous tourner une petite vidéo. J'ai pas trop l'habitude de filmer le soir, donc vous excuserez éventuellement les éclairages un petit peu très artificiels, on va dire. Ma tête de fin de journée, ma coiffure de fin de journée, encore une journée où il a fait chaud. Mais je me suis dit que j'allais vous tourner cette petite vidéo parce que j'ai commandé pas mal de produits de deux sites en particulier. Donc je vais vous les présenter là ce soir, et puis je pense que dans la foulée je vais faire une vidéo crash test que je publierai juste après si possible pour parler de certains petits produits un petit peu plus en détail. Donc j'espère qu'au niveau lumière c'est pas trop, je me vois bien blanche hein, moi clairement, mais voilà, pour voir les produits je pense que c'est ce qu'il y aura de mieux à faire. Concernant mon petit make-up du jour, vous apercevrez, alors là on est en fin de journée, je brille un petit peu, avec le retour de lumière c'est encore pire. C'est un make-up que j'ai filmé ce matin et qui fera partie de vidéos à la suite. J'ai beaucoup aimé le faire et je trouve que ça a plutôt bien tenu alors que nous avons encore eu aujourd'hui 35 degrés. Bon, la parenthèse étant fermée, je vous parle enfin de mes deux commandes. Donc j'ai passé mes premières commandes sur Beauty Bay. Donc j'en ai passé deux, une avant les soldes qu'ils avaient proposé là sur le mois d'août. Moi je connais pas trop le fonctionnement de Beauty Bay, donc j'avais passé une première commande, c'était pas bien grave parce que de toute façon les produits que j'ai commandés n'étaient pas soldés. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regroupé les deux commandes en une, et je vais vous montrer donc mon tout premier unboxing de chez Beauty Bay, donc toute première commande que j'ai reçue dans la petite boîte. Et ensuite je vous parlerai de Sephora. Sur le site j'ai commandé quelques petits articles voilà, qui me faisaient envie et que je ne trouvais pas en boutique. Mais je suis également passée en boutique, déjà parce que j'avais des codes de fidélité donc plus avantageux au niveau des prix. Et j'avais besoin de certaines choses assez rapidement, donc je suis allée à Sephora. On va commencer par Beauty Bay. Donc c'est un site dont j'entends énormément parler depuis pas mal de temps. J'avais jamais commandé, il n'y a pas forcément de raison particulière. Mais il se trouve qu'il y avait quand même des produits de certaines marques que j'utilise et dont j'avais besoin. Donc je me suis dit que j'allais les prendre chez eux. Et du coup je commence par la marque The Ordinary. Donc je consomme, je suis une consommatrice des produits The Ordinary, si je parle mieux l'anglais, que je prends d'habitude sur le site, que je me trompe pas, de Nocibé. Et j'utilise beaucoup ce produit dernièrement, qui est le, que je dise pas de bêtises parce que c'est, je sais pas si vous verrez bien, mais au niveau des noms, c'est en fait les compositions directement. Donc c'est le niacinamide 10% plus zinc 1%, qui est un petit sérum qui convient à appliquer en fait en complément d'autres éventuellement, qui traite un petit peu les imperfections, l'acné, les problèmes de peau de manière générale. Voilà, il resserre les pores, il régule le sébum, ce genre de choses, à associer bien sûr avec des choses en complément. Type des choses hydratantes ou quoi, puisqu'il n'y a rien d'autre du tout dans ce produit là. C'est un produit que j'ai découvert assez récemment, je l'ai beaucoup utilisé dès que je l'ai reçu en fait, et donc j'ai pas eu de coupure et j'ai pu constater quand même une nette amélioration. Comment vous dire, en particulier au niveau de mon grain de peau, c'est-à-dire qu'effectivement je trouvais que mes pores étaient moins dilatés entre guillemets, mon grain de peau était plus joli. J'ai toujours tendance à faire des imperfections. J'en fais particulièrement à cette fin d'été, puisqu'avec l'exposition au soleil, moi, fin août, début septembre, c'est systématique. J'ai une recrudescence de petits boutons. Et là, c'est en train de revenir particulièrement sur cette zone-là. Et ça, ça m'aide bien quand même, je trouve. Donc là, ben, je vais accentuer les soins que je fais à la fin de l'été, tout ça, les gommages et tout, pour retrouver les capacités complètes de ce produit-là, parce que je trouve que quand même, il est franchement pas mal. Donc, je l'ai commandé puisque Beauty Bay fait cette marque-là. Et tant qu'à faire, je l'ai regardé pour d'autres produits. Donc, lors de ma commande de Beauty Bay, venait de sortir ces produits, ces petits produits que tout le monde a vu passer, je pense. Donc, moi, c'est vrai que c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser, parce que vous savez que je suis une grande fan, en particulier des Crystal Whips de chez Too Faced. Ceux-ci ont été pas mal comparés au Stila, je crois. Donc, ceux-là, je ne les possède pas. Donc j'ai choisi, alors je sais qu'il y a des petits lots de 3x3 en fait pour faire des petits coffrets et faire un tarif un petit peu plus valable. Mais je me suis dit que j'allais juste en tester deux pour commencer, puis si vraiment ça me plaît, ben, je compléterai. Donc j'ai sorti les produits, j'ai choisi ces deux petites teintes au niveau de ces produits-là, qui sont la teinte, que je me rappelle bien, la teinte fluorite
Et la teinte, je vois super mal avec les éclairages, Moonstone. C'est les deux teintes qui me parlaient le plus, qui me semblaient différentes de ce que je peux avoir donc dans les autres marques. Je pense aussi que vous avez vu beaucoup de swatchs, mais je vais quand même regarder de moi-même ce que ça donne. Donc le produit se présente comme ceci. Ah, c'est magnifique. Je vous fais les deux du coup. Ah, ils sont mais trop jolis. Enfin, dès qu'on les pose, voilà, il se passe tout de suite quelque chose. Ils sont magnifiques. Je vous montre ça. J'espère que vous les voyez bien. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont fait des swatches de ces produits. Donc, n'hésitez pas à les voir. Je pense en particulier à Beauty Garden qui a fait, dès qu'elle les a eues, en fait, une vidéo très intéressante concernant ces produits avec les swatchs de toutes les couleurs. Donc, si vraiment ça vous intéresse, je vous remets le nom de sa chaîne par ici. Allez voir. Il y a aussi Val Beauty. Je l'ai vu dernièrement, sa vidéo. Elle a reçu également la collection complète, je crois. Et elle a également fait les swatchs de tous les produits. Donc, moi, je vous propose ces deux-là. Donc, on a bien le Moonstone par ici. Et le, je ne sais plus, l'autre que j'ai dit, qui a vraiment des reflets. Alors, ils sont assez différents tous les deux. Le Fluorite. C'est-à-dire qu'on en a un qui est très pailleté. Il est vraiment très très joli. Hein. Très très pailleté. Et on en a un qui est un petit peu plus dans l'opacité avec des reflets très différents. Là, avec la lumière artificielle, ce que je vois le plus, c'est un entre le rose, le bleu, le mauve. Voilà ce qui ressort le plus. Je ne sais pas comment je vais utiliser ces produits. Soit par-dessus des fards, soit tout seul. Je pense aussi que c'est ce que je fais avec ceux de Too Faced. Ils sont canons. Alors, je vous le dis tout de suite, rien qu'à les voir là, je pense que d'office, je vais m'en prendre d'autres. Ils sont magnifiques. Je pense que ça peut être intéressant de tester les deux manières, c'est-à-dire vraiment, voilà, soit tout seul, soit par-dessus d'autres, mais c'est vraiment très joli. Ce qu'on va faire, c'est que d'ici la fin de la vidéo, je vais essayer de penser à regarder où ça en est, voir si ça a bien séché. En tout cas, très très contente de ces deux choix de teintes, là, c'est vraiment, ils sont très très différents, du coup. Donc sympa, puis j'aime bien les petits packagings, je pense que voilà, c'est pas trop gros et tout, c'est assez sympa. Donc ça c'était pour ma première commande, et j'ai également complété ma commande par cette petite houppette de maquillage, que je vous dise pas de bêtises, de la marque Linda Alberg, et qui s'appelle The Powder Puff. Donc c'est une houppette qu'on a beaucoup vu passer, qu'on voit énormément passer sur la chaîne de Marion Caméléon. Voilà, elle la recommande énormément, c'est celle qu'elle utilise le plus, hein. Et j'ai vu pas mal de personnes que je suis la tester, et tout le monde en est ravi. C'est très différent de ce que je peux avoir, c'est assez surprenant. Donc elle est super bien faite, parce que voilà, voyez, vous pouvez placer vos doigts comme ça, et en termes de texture, c'est trop bizarre, ça fait un peu comme du velours, ça fait pas du tout les matières de houppette, moi, que je peux avoir. Et je pense que ça peut être déjà la forme nickel, en particulier pour le dessous de l'œil. Mais pour bien venir fusionner les matières, en fait, je pense que ça peut être pas mal du tout. Donc j'avais envie de sauter le pas, et voilà, ce produit était sur le site. Donc voilà, je l'ai pris. Ravie. Le reste concerne ma deuxième commande qui était pendant leur fameux solde. Donc du coup, je les découvre en même temps que vous, je ne les ai pas du tout regardées. Donc là, j'ai un petit papier concernant la petite collection de Me, Myself and Mitchell qui concerne cette palette-ci. J'en ai pas mal entendu parler aussi. Voilà, espèce de grande palette comme ça. Donc petite pub au passage, ma petite facture. Et alors là, il faut que je me rappelle. Donc j'ouvre, je me rappelle plus. Ah oui, ah si, ça y est, ça me voilà. Donc j'ai ce petit paquet qui contient une palette. Il est sympa le petit emballage. Donc j'ai commandé quelques articles de la marque de make-up de Beauty Bay, parce que voilà, pareil, j'ai vu pas mal de revues et c'est franchement positif. Donc je vais vous ouvrir tout ça et vous en parler. Alors en tout cas, concernant les emballages, c'est franchement bien fait pour celles qui ne connaîtraient pas. Donc déjà, j'avais, voilà, là j'ai pris une des palettes que j'ai commandées. Donc j'avais un premier sachet, la boîte de la palette, et à l'intérieur, la palette est encore emballée, donc c'est franchement bien. Et là, j'ai choisi une palette d'highlighter de la marque de Beauty Bay. Donc, alors j'ai eu un petit peu de mal à choisir parce qu'ils en ont plusieurs, elles sont juste magnifiques. J'ai le petit film de protection et je vous montre ça sans vous éblouir.
Donc elles sont vraiment canons. Du coup, pour les différencier, celle-ci est sur... déjà, il y a la couleur du packaging. Et après, c'est vous. Moi, j'ai pris la Brilliance. Vous avez là une qui est un petit peu plus dans les tons où il y a du blanc, des choses, des highlighters bleutés et tout ça. Et vous en avez une, je crois, qui est un peu plus fuchsia, qui, elle, est plus... Alors, je sais plus après au niveau des références et tout, mais en tout cas, moi, je pense que c'est celle qui me correspondait le plus, c'est-à-dire que vous en avez deux dorés et deux rosés. On va faire quelques swatchs, mais c'est juste magnifique. Comme je découvre en même temps, je m'ébahis de la chose. On va en prendre un de chaque. Ouh là là. Ça m'a l'air bien joli. C'est pas poudreux. Alors voilà au niveau des deux highlighters. Ça m'a l'air bien pigmenté. Ils sont super jolis. Hein. Et donc j'ai pris, alors pas forcément les deux plus foncés, mais le rose là, le plus fort, on va dire. Ils ont l'air bien bien sympa. J'espère que vous voyez bien mes swatchs parce qu'avec toutes ces lumières là, c'est pas le top. On va passer ensuite au reste de la commande. Alors, on va rester dans les palettes et dans la marque Beauty Bay. Donc, j'ai fait le choix de prendre une palette teint et une palette pour les yeux. Elle faisait partie des grosses promos qu'ils avaient. Les petites palettes pour les yeux étaient descendues à 4 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'avais très, très envie d'essayer. Surtout que les retours sont plutôt positifs. Pareil, super bien emballé. On a un premier plastique. Et à l'intérieur, la palette est sur-emballée. Franchement, c'est super bien fait. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de risque de casse. Et la palette est très, très jolie. J'ai pris une des plus petites et j'ai pris la Nude Shimmer. Donc, il n'y a que des shimmers, hein, comme son nom l'indique, dans des teintes nude. Moi, j'adore parce que j'ai énormément de fard mat et j'ai pas forcément besoin d'avoir tout dans la même palette. Ça ne me dérange pas de prendre un bronzer, par exemple, pour faire un creux de paupières. Et là, voilà, les teintes me parlaient beaucoup, donc j'avais très envie de te prendre cette petite palette qui est fort sympathique. Elle a un petit miroir en plus, donc bien sympa. Et les fards sont très très jolis, je trouve. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Je vais prendre le plus foncé. On a l'air d'avoir une belle pigmentation. Il est magnifique celui-là. Donc on a un espèce de marronné irisé, hein, clairement. Et puis je vais prendre un petit peu un cuivré, quelque chose comme ça. Ils sont bien pigmentés. Je les sens crémeux sous le doigt. Oh là là, c'est joli, hein. Ils sont vraiment jolis. Écoutez, plutôt satisfaite de ce que j'observe là pour l'instant. Mais très sympa. Alors, on va passer ensuite aux produits pour les lèvres. J'ai pris deux petits produits pour les lèvres. Le premier, un de chez Révolution Pro. J'avais craqué pour cette gamme au niveau de la sortie de toute la gamme qu'ils ont fait sur les palettes un petit peu thème léopard et tout ça, la jungle. Donc j'avais déjà commandé une palette de cette collection-là. J'avais fait une vidéo d'ailleurs en collaboration avec Elodie où on avait fait des full face make-up révolution et on avait utilisé toutes les deux la même palette qu'on s'était commandée en fait. Donc je vous raccrocherai la petite vidéo. Et puis j'avais pas forcément commandé les rouges à lèvres en même temps et là j'ai décidé d'en prendre un parce que j'ai vu aussi pas mal de retours sur ces rouges à lèvres qui ont une super pigmentation et des coloris plutôt sympas. Ils sont, je m'en doutais un petit peu, on voit sur le dessus, ils ont un effet un peu poudré, je pense. Ils sont très très jolis déjà au niveau packaging et au niveau du swatch. Donc là, j'ai la teinte Velvet, si je ne me trompe pas. Ouais, Velvet. Et la collection, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. La New Neutral. La collection New Neutral. Ah oui, très très jolie. Donc un très joli nude rosé, effectivement, ils sont bien bien pigmentés, c'est bien opaque. Et ils ont l'air quand même bien crémeux. Écoutez, pour l'instant, totale satisfaction de cette commande Beauty Bay, je suis ravie de ces produits. J'ai un deuxième produit pour les lèvres, et là je me suis fait un petit peu plaisir, puisque ça fait très longtemps que j'avais envie de m'acheter des produits de Jeffree Star. Donc ce sera mon premier produit, et j'ai pris donc un velours liquid lipstick. Donc je crois qu'il y avait plusieurs gammes, les gloss, les rouges à lèvres mat, et donc c'est la gamme intermédiaire. Et comment vous dire que je découvre le produit, j'avais déjà vu qu'au niveau des packagings c'était joli, mais voilà, c'est magnifique. Bon, rien que la boîte déjà j'adore,
Alors, comment vous dire qu'au niveau du rouge à lèvres, c'est juste trop joli. Et au niveau du swatch, mais c'est hyper original en plus en termes de. J'attrape le produit. Tout est très original dans cette marque-là, hein, c'est ce que j'avais pu observer. Waouh! Donc là, j'ai la teinte. J'ai la teinte qui porte un nom à coucher dehors, c'est-à-dire Ai Ao. Ai Ao Ar Ya. Vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et comment vous dire qu'elle est très. Ça pète, hein. Donc là, par contre, je voyais pas ça forcément aussi pétant. Pareil, à voir comment ça sèche. C'est un velours, hein, donc je pense que c'est pas un mat. Je pense pas qu'il sèche complètement. Il est très très pigmenté. Il a l'air de commencer à sécher quand même. Hein. Bon, bah écoutez, je suis en train de regarder. Je change royalement de sujet, mais ça fait rien. C'est vrai que c'est le genre de couleur, je vous le dis clairement. Aujourd'hui, ce que je porte là, c'est déjà assez. Et on est en fin de journée encore. Mais je pense que c'est quelque chose que je peux apporter avec des petits compléments de ce type de produit en topper en fait. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui pensaient utiliser. Je ne l'ai pas forcément vu. Je ne sais plus si Val Beauty l'a fait ou pas. Mais elle avait dit qu'elle testerait de les porter en topper sur les lèvres parce qu'on peut faire plein de choses avec ces petits produits. Sur les yeux, en liner. Alors après, il faut voir au niveau de l'embout si en liner c'est faisable, mais c'est quand même assez large. Pourquoi pas en coin interne en faisant un petit trait en hauteur et tout. Enfin bon, bref, plein de choses possibles. Et du coup, associer ce petit produit pour le rendre un petit peu plus doux parce qu'il est très très pétant. Hein. C'est vrai, mais il est magnifique. C'est juste magnifique. Et on va terminer par deux produits qui m'ont été grandement recommandés par Elodie de la chaîne Elodie Moitou. Il s'agit de ces petits produits-là qui s'appellent les Wickedly Divine de la marque L.A. Splash. J'en ai pris deux et je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Je pense qu'au niveau du packaging, vous reconnaîtrez, hein, c'est très très particulier. Donc il s'agit de liners, alors soit pailletés, soit colorés, enfin des choses assez différentes de ce que je peux porter habituellement. Les liners un peu originaux, j'ai très peu de choses. Voilà, je vais avoir des basiques telles que du marron, des choses comme ça, des choses un peu dorées. Mais là, j'avais envie de tenter autre chose. Donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris la Invoke et la Doxy. Je sais pas, voilà, que vous voyez à peu près, donc qui sont assez différents. Donc normalement celui-ci c'est un noir argenté, il me semble. Et là c'est un espèce de rose rouge pailleté, je ne sais pas trop. Elodie m'avait recommandé des teintes en particulier, mais ils étaient out of stock parce que j'ai trop hésité longtemps. Et du coup, il restait ces teintes-là, donc elles me plaisent quand même. Je regarde comment ça se présente. J'ai pas du tout l'habitude de ces produits. Donc j'avais vu, hein, elle en parle souvent dans ses vidéos. Voilà comment ça. Donc c'est un tout petit pinceau en fait. Mais il a quand même l'air de récolter pas mal de produits. On va essayer de trouver une petite place. Alors je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'habituer à travailler. C'est très très fin et ça dépose la juste quantité. Voilà pour vraiment venir compléter un make-up. Donc là j'ai le plutôt rosé qui est donc le Doxy, je vous ai dit, Doxy. Et je vais prendre le Invoke. Où là on a un noir argenté il me semble. C'est vrai que pour faire des choses très très précises, je pense que ça peut être vraiment bien. Donc je vous ai fait des swatchs un petit peu pourris, il faut bien le dire. Mais je fais ce que je peux. Donc voilà ce que ça. Donc c'est des choses. J'ai choisi des choses pailletées. Il y en avait des pas pailletées, mais j'ai choisi de prendre plutôt des choses que j'ai pas. Donc à voir ce que ça donne sur les make-up. Mais je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment sympas à venir travailler en touche finale sur des make-up et tout. Ça peut être très très sympa. Donc j'ai très hâte. Je suis en train de regarder le noir. Il a énormément de reflets. Il y a effectivement de l'argenté, mais il y a un peu de doré à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez bien dans les swatchs. Et le rose a l'air très sympa aussi. Donc voilà, j'ai la main bien pleine de toutes ces petites choses-là. Et on va terminer par Sephora.
Donc, concernant Sephora, j'ai passé une petite commande. Je vais commencer par les produits que j'ai achetés directement en boutique, puisque je me suis rendue en boutique. J'arrive au bout de mes liners noirs basiques et également au bout de tous mes crayons sourcils. Je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Et donc, en boutique, bah, j'avais des bons de fidélité. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter pour tester des marques que je n'avais jamais testées. Donc, concernant les sourcils, j'ai craqué. Ils avaient un coffret de la marque Anastasia Beverly Hills, avec le crayon pour les sourcils et le petit gel en fait. Donc c'est des produits que je connais, que j'ai l'habitude d'utiliser, mais pas ceux d'Anastasia. Donc je vais les découvrir, j'ai tout mis de côté, j'ai rien touché. Je me suis dit que j'allais les découvrir avec vous. Donc je fais des swatchs, mais il y aura, c'est sûr, une vidéo crash test en fait, où je vais essayer de regrouper un maximum de produits de tout ce que je viens de vous présenter, et bon, j'ai pas tout à fait fini. Et on va passer ça en crash test parce que je pense que ça peut être intéressant de voir tout ce que ça vaut. Donc, pour le Anastasia, je vous l'ai défait des deux côtés. Donc, vous avez le petit goupillon et je l'ai choisi parce que voilà, je fais toujours gaffe à la mine, j'ai toujours peur d'en sortir trop et que ça casse. On a de quoi faire vraiment du micro remplissage vraiment dessiné poil par poil. Donc, c'est ce que je voulais. Au niveau de la teinte, il n'y avait pas énormément de choix. Il y en avait deux. Donc, il y avait celle-ci, la Soft Brown, et l'autre qui était beaucoup trop foncé pour moi. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc, le Soft Brown est là. À vue d'œil, j'ai l'impression que ça peut aller. Hein, je pense qu'à voir comme ça sur ma peau, ouais, ça ressemble quand même à un blond un petit peu assez froid. Déjà, je voulais quelque chose de froid. J'aime pas du tout les couleurs chaudes pour mes sourcils. Je pense que ça peut le faire. À voir en crash test. Hein. Et au niveau du petit gel, je vais juste vous montrer comment il se présente. Donc, il est comme ceci. Et la brosse, voilà, elle se présente comme ça. Bon, la teinte, ça m'a l'air d'aller. Franchement, la teinte, ça m'a l'air bien d'aller. Ouais, je pense que c'est suffisamment froid comme je le souhaite. Donc, je pense que ça devrait fonctionner, ces petits produits-là. Et du coup, c'était impeccable parce qu'en fait, tous les produits que je voulais, je les ai trouvés en coffret. Et c'est très pratique pour tester. Donc, concernant le liner, bah, j'ai choisi celui de chez Fenty Beauty, dont j'entends énormément parler. Et ils ont sorti ce coffret, en fait, avec la base. Et ben voilà. Donc, c'était l'idéal pour pouvoir tester ces produits-là. Déjà parce qu'ils sont en petit format et que bah, si ça ne me convient pas, c'est quand même dommage d'avoir acheté un full size si ça ne marche pas. Et le liner Fenty a une très très bonne réputation. Moi, je ne le connais pas du tout. Je ne sais pas s'il faut le secouer. Ouais, il y a un petit truc à secouer. Donc la pointe est comme ça. Je pense que ça va être nickel. Ah ouais. J'ai à peine posé la pointe. J'ai déjà une intensité qui est là, quoi. Donc pareil, à voir en séchant ce que ça va donner. Je pense déjà en utilisant sur la main et en ayant un résultat comme ça, je pense que ça va le faire. Après, il faut voir la tenue, bien entendu, si ça tient dans le temps. Et la petite base pour les yeux, qui est aussi fait parler d'elle de manière positive, a priori. Donc ça se présente comme ça. Donc je viens d'appliquer un petit peu de la base sur ma main pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ça fait un petit gel comme ça. Je pense que c'est un produit beaucoup moins opaque que la base Pélouise. Mais bon, à voir. Hein, je ne suis pas du tout fermée au test. Je le tapote. Moi, c'est des produits que j'aime plutôt tapoter plutôt que de les passer comme une crème, en fait. Donc, en l'estompant, eh bien, on voit quasiment plus rien. Donc, il n'y a pas cet effet un peu blanc que peut apporter la Pélouise. A priori, ça m'a l'air quand même plutôt assez transparent. Bon, c'est un amplificateur de fard, a priori. Voilà, j'en ai entendu parler, mais je ne me suis pas plus penchée sur la question, puisque moi je ne jure que par ma base Pélouise, et que du coup pour l'instant j'avais pas matière à en racheter. Mais bon, là l'occasion se présente avec le liner, ce sera l'occasion de tester ces produits. Eh bien écoutez, je suis en train de regarder ce que donnent tous mes swatchs une fois sec, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. On reviendra sur. À la fin pour rediscuter de ça. Donc du coup, dans mes achats, je suis restée sur des petits formats entre guillemets. Bon, là c'était sur des coffrets, mais j'avais très envie depuis pas mal de temps de tester également le mascara de chez Kat Von D.
J'ai entendu plein de choses différentes à son sujet, donc du coup je me suis dit le meilleur moyen c'est de le tester par moi-même. J'adore les packagings de chez Kat Von D, ça ne changera jamais. Il se présente comme ceci. Au niveau de la brosse, bah, j'avais eu quelques aperçus déjà, mais la brosse me plaît beaucoup. Voilà, ça se présente comme ça. C'est beaucoup moins gros que celui de chez Too Faced, le Damn Girl que je teste en ce moment. Mais voilà, c'est encore autre chose. Et voilà, donc il y a vraiment des avis très partagés sur ce produit. Il y a des grosses déceptions et il y a des gens qui les ont mis dans leur favori direct. Donc écoutez, voilà, au niveau du packaging, donc ça nous promet surtout du volume, il me semble. Et au niveau des compositions, je sais que voilà, il y avait des efforts de fait par rapport à la composition de ce produit. Ouais, mascara volumateur. Donc on va bien voir, j'ai très très hâte, mais vous voyez, j'ai quand même largement de quoi vous faire un make-up complet. J'ai hâte, j'ai très très hâte de tester tout ça. On va terminer, alors c'est tout pour ce que j'ai pris en boutique. Oui, donc en boutique, en cadeau, j'ai eu droit à ma petite pochette. J'ai toujours droit à des petites choses assez sympas. Et là, c'est une petite pochette holographique. Donc ça sert toujours quand on part pour les petites affaires. Je vais enlever les petits papiers. Donc voilà, très très contente. Je vous passe les détails des petits échantillons de parfum, mais je reviens juste sur la nouveauté de chez Jean-Paul Gaultier. J'ai déjà mangé son nom, mais d'ici là, je le retrouverai peut-être et je vous l'accrocherai par ici en image. Donc Jean-Paul Gaultier a sorti deux nouveaux parfums, un pour homme, un pour femme, et ils étaient en présentoir en fait quand j'y suis allée. Donc par curiosité, j'ai voulu sentir en tout cas celui pour femme. Celui pour homme, mon mari l'a eu en échantillon. Il va le tester, donc je vais pouvoir vous en faire un retour d'ici peu. C'est des produits qui changent pas mal de ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. C'est toujours des choses assez costauds, sous des senteurs assez vanillées, assez gourmandes, donc c'est quand même assez particulier. Il y a des bases de noix de coco, si j'ai bien compris. Et j'ai testé celui pour femme, et comment vous dire que je suis tombée en amour, mais littéralement pour ce truc, sachant que la senteur principale est la poire. Vous avez avec un mélange, je ne saurais plus vous dire exactement, mais c'est assez ambré, vanillé, très chaud du Jean-Paul Gaultier, quoi, clairement. Mais cette espèce de poire qui ressort en fait tout de suite, c'est vraiment un des premiers trucs qu'on sent. Ça vous fait un mélange, mais c'est du tonnerre. Donc du coup, la Sephora m'a fait une petite dose d'échantillon pour que je puisse le tester quand même plusieurs jours de suite. Mais on n'est pas à l'abri sur un coup de cœur parfum pour très prochainement, je pense. Voilà. Je termine avec mon unboxing cette fois-ci. J'ai passé une commande chez Sephora pour d'autres raisons. Et il y avait une offre pour... alors, c'est pas la grosse box de chez Sephora, c'est la taille d'en dessous. C'est-à-dire que c'était... je sais plus. Le montant, en fait, d'achat n'était pas aussi élevé que les précédentes fois. Je sais plus à combien c'était. Mais vous avez la box habituelle qui est pour 60 euros et plus d'achat, la grosse box. Et là, en fait, c'était des miniatures offertes. Donc, j'ai passé commande pour deux produits simplement à la base, qui sont mon Glow Sonic de chez Pixi. Je disserte pas sur le sujet, je vous en ai assez parlé. Et du coup, je ne pensais pas me rendre en magasin. Donc, du coup, je l'ai commandé. Et j'avais très envie de tester, et j'arrive également au bout de certains de mes soins, le sérum de chez Too Faced. Donc là, c'est un craquage, j'avoue... J'ai attendu, parce que cette collection est sortie il y a quelques mois déjà. Et j'attendais d'avoir des retours, parce que les produits Too Faced ne sont pas forcément extrêmement réputés, beaucoup moins que leur make-up. Et là, je vois des retours très positifs de ce sérum hydratant. Donc, j'ai eu très envie de le tester. Il est dans les prix des sérums que j'achète habituellement. C'est pas non plus des gammes Chanel, Dior, etc. Donc, je me suis dit que j'allais tester pour la première fois un soin Too Faced, voilà, qui est en budget, en intermédiaire entre les choses que je peux acheter en parapharmacie, parce que vous avez quand même des prix en parapharmacie assez élevés, et les budgets sur lesquels je louchais depuis quelques temps, tels que les trucs, les sérums Chanel que j'ai pu tester et qui sont des gros coups de cœur pour moi. Je vois qu'elle m'a mis aussi des nouveaux produits de la gamme de Dior, mais c'est des produits que je suis sûre d'adorer, c'est bien ça le problème. Sauf qu'après, en termes de prix sur des sérums, on est au-delà de 80-90 euros. Donc là, on est quand même encore sur des choses plutôt correctes, on va dire, chères mais correctes. Donc, je vais directement vous lire sur la boîte, les références un petit peu de ce qu'ils promettent. Donc c'est une promesse de 93% des besoins en hydratation, luminosité,
Il y a de l'acide hyaluronique, vitamine B5, yogourt probiotique. Alors ça, je ne sais pas. Donc voilà, il y a, c'est au niveau des senteurs, il y a de la noix de coco. Donc je pense que c'est une senteur noix de coco. Bon, à voir, pas mal de choses promises à l'intérieur de ce produit. Donc ça, ben, bien entendu, je vous en fais un retour dès que possible. Hein. Mais voilà, petit craquage de soins Too Faced. J'avoue que c'est une première. On verra bien. Et tout le reste des produits sont des produits box, entre guillemets, offerts. Alors, il n'y en a pas autant que dans les box habituelles, mais il y a déjà quand même pas mal de trucs, je trouve. Donc, elle m'a remis la nouvelle gamme de chez Dior, comme je vous le disais, la Dream Skin, qui me tente beaucoup. J'ai été mettre un petit peu mes doigts dedans en magasin. Et ils ont l'air super sympas, ces produits. Donc, vous avez les trois grands produits phares qui se présentent comme ça. Donc, je pense qu'il y a un masque. Il doit y avoir un masque, un sérum et il y a également un produit teint, un peu un cushion un petit peu teint comme ça. Donc voilà, bah, je vais quand même la tester. Là à l'intérieur, j'ai le soin principal. Je pense que c'est la crème de jour. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, pareil, il y a plein de promesses dans ce produit-là, hein. Rides, pores, taches, rougeur, éclat intense. Enfin, le produit parfait, hein. Voilà. Puis je vais l'aimer, bien sûr. Allez, on arrête les bêtises. Donc, dans les produits, j'ai un produit de la marque Rennes qui est le Radiance. Donc là, c'est un gel crème éclat quotidien à la vitamine C, tout type de peau. Je ne connais pas du tout, donc pourquoi pas. J'ai eu la petite base bah, de la marque. Donc, le sérum, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais c'est de la gamme Hangover. C'est une gamme qu'ils ont déjà sortie au niveau du maquillage. Et du coup, ils ont agrandi en fait cette gamme. Donc là, c'est la base que j'ai déjà eu l'occasion de tester, que j'ai beaucoup aimé. Et ils ont. Je crois le produit, il est reformulé en fait. Et dans la gamme que j'ai pris avec le sérum, que je ne sais même pas où j'ai mis, il est là. Vous avez la base, il me semble, la base de make-up qui est reformulée avec ce principe-là. Et il y a un autre produit, je ne sais plus lequel. Moi, j'ai voulu commencer par celui-ci. Là, du coup, je ne sais pas s'il y a une grosse différence avec l'ancien. Mais je sais que j'ai entendu dire que ça avait été reformulé. Donc, à voir. Donc, j'ai eu ce petit produit-là également. J'ai eu le super démaquillant waterproof que moi, j'ai un petit peu de mal avec. Voilà, je ne l'ai pas trouvé fantastique, mais ce format-là peut très bien me dépanner. Nous avons ensuite de chez Origins, le Clear Improvement, comme ceci, vous connaissez aussi, j'imagine, donc qui est un soin hydratant au charbon de bambou. Je suis très intéressée de tester ce type de produit. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai eu un petit parfum de chez Hollister, le Festival Knit. Je ne connais pas du tout ce type-là. J'ai eu deux échantillons de la marque Cicaper. Donc ça, c'est plutôt au niveau des rougeurs, il me semble. Donc je sais pas, je n'ai pas trouvé la différence entre les deux. Il doit y avoir le baume et la petite crème un peu plus légère. Et pour terminer, donc la petite miniature du Flower by Kenzo que j'ai déjà eu mais que j'aime beaucoup, donc ça tombe très bien. Et très contente, petit mascara de chez Marc Jacobs. Donc là j'avoue que je suis ravie. Je ne sais pas si c'est le même que j'ai ou pas. Le Velvet Noir Major Volume. Je ne sais pas si c'est le même que mien ou pas. Je crois que c'est le même. Ouais, ça doit être ça. Au niveau de la brosse, ça ressemble beaucoup. Je l'adore celui-ci. Je l'adore. Donc du coup, je pense que c'est le même et je suis en train de le terminer. Donc c'est juste parfait. Donc voilà, il y avait ces petits produits offerts lors de ma commande. Donc du coup, j'étais bien contente. Voilà, j'avais juste pas prévu de ensuite me rendre en boutique. Mais de toute façon, dans ma boutique, je ne trouve pas les mêmes produits que je peux trouver sur le site. Donc écoutez, j'en ai terminé donc avec les produits que je voulais vous présenter. Je fais juste un point sur tous les swatchs que j'ai pu faire et je reprends avec vous. Donc concernant les petits fards de chez Beauty Bay, hop, je vous les remonte par là. Donc ça m'a l'air d'avoir séché, c'est complètement sec. Je regarde ce que je fais en même temps. Je frotte, on voit bien qu'il n'y a pas de transfert. Je suis très contente, hein. Franchement, à voir comme ça. Je suis aussi très contente de mon choix, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris deux choses très différentes. Parce que le deuxième a vraiment pas de paillettes. Donc, top. Le petit rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, ben lui, il ne sèche pas, hein, clairement.
C'est un espèce de rouge à lèvres un peu velouté, hein. Donc il sèche pas, mais vous voyez quand même que je pense qu'il a une belle tenue. Celui de chez Jeffree Star, il a effectivement séché. Je pense qu'il y a du transfert quand même. Il a bien séché, vous voyez. On sent qu'il y a une petite partie encore un peu collante. Alors j'en ai peut-être trop mis. Il y a du transfert. Clairement, il y a du transfert, mais il est bien pigmenté. Les highlights, bah, écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. Le liner Fenty a séché. Ça bouge plus. Il a l'air pas mal, hein. Le petit crayon chez Anastasia, ben j'aime beaucoup la teinte. Je pense que ça va vraiment bien le faire. Je pense vraiment que je ne me suis pas loupée. Et au niveau des liners LA Splash, pareil, ça a séché, ça ne bouge pas. C'est nickel. Donc j'ai très très hâte. Je me pose des questions en même temps que je vous parle. Vous m'excuserez, c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu des gros blancs et qu'on est le soir aussi, que je commence à être fatiguée. Franchement, je pense que je suis sur une commande avec que des tops. Je suis hyper impatiente. Limite, j'ai envie de me démaquiller, d'aller tout tester. Non, on va pas exagérer, mais je suis en train de regarder à l'avance quel make-up je vais vous faire. J'ai pas forcément de nouveaux produits teints, mais ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur les derniers achats que j'ai pu faire et que je vous ai passés et que je vous aurais éventuellement pas fait de retour en vidéo. Puis on va les intégrer et on va essayer de faire un crash test vraiment complet de tous les derniers achats que j'ai pu faire. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de make-up comme ça en crash test et je pense que ça pourrait être bien cool. Bon, et eh bien écoutez, j'ai un peu peiné pour cette vidéo, je sais pas si ça se verra, vive le montage. J'essaierai de couper les parties où j'étais perdue dans mon propre discours. Donc voilà, je vais vous laisser avec une suite quand même à cette vidéo parce que ce serait dommage de ne rester que sur des swatchs. Je suis ébahie par ces produits. J'ai envie de tout tester, mais je vous dis même pas quoi. Bon, allez, j'arrête. Je vais prendre le temps de faire ce crash test et vous le publier le plus rapidement possible. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous pour voir ça. En tout cas, ceux qui auront regardé cette vidéo, j'en profite pour remercier les habitués qui sont toujours présents, toujours là au taquet. Enfin, je veux dire, c'est toujours les premiers dans les commentaires, c'est toujours les mêmes personnes. Je ne vais pas énumérer tout le monde parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais je vous fais plein de gros bisous. Les personnes se reconnaîtront. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai des gens qui débarquent d'un petit peu partout et ça fait super plaisir. Je remercie aussi les gens qui parlent de moi autour d'eux parce que forcément, ça fait venir du monde, ça fait venir des curieux. J'ai des retours positifs, les gens sont contents d'arriver. Donc tout ça, ça fait énormément chaud au cœur. Je vous l'avais marqué sous ma vidéo en commentaire la dernière fois, mais là, je tenais à vous le dire de vive voix. De plus, il y a des fois, je ne suis pas toujours au taquet pour répondre dans les commentaires et je me rends compte qu'il y a des fois, je réponds avec beaucoup de retard ou des choses comme ça et faut vraiment que je sois plus vigilante là-dessus parce que vous êtes présents. Donc, la moindre des choses, c'est de répondre. Mais quoi qu'il en soit, je lis tout. Voilà, c'est juste qu'il y a des fois, on lit et « Ah, maman, j'ai besoin de ça, machin. » Donc, voilà, comme on veut prendre le temps aussi de répondre. Voilà, on ne le fait pas, puis on passe à autre chose, et je pense que tout le monde peut comprendre ça, mais je reprends en général, même quelques semaines après, ceux que j'aurais pu oublier. Donc en tout cas, s'il y a certaines personnes qui se pensent oubliées, ce n'est absolument pas le cas. Voilà, sachez que j'essaie toujours de finir par répondre. Et voilà, je tenais à vous dire ce grand merci, parce que ça fait du bien, j'ai plein de retours positifs. Donc voilà, ma petite chaîne. Qui n'est pas bien grande pour l'instant, mais j'ai envie de vous dire que limite, mais je suis déjà super contente, puis que ça me suffit, parce que clairement, tout est positif, quoi. Donc, que demande le peuple? Donc, en cela, je vous remercie énormément d'être présent, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve bien sûr très bientôt. Bye!